Salut tout le monde, c'est Fixia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est une vidéo que vous avez vue pas mal de fois sur YouTube. Je vais vivre comme mon Sims pendant 24 heures. Je tiens à remercier EA pour avoir sponsorisé cette vidéo. Romy et moi avons accepté le challenge. Nous allons vivre toutes les deux comme un Sims pendant 24 heures. Et pour pimenter un petit peu la chose, on s'est lancé deux défis chacune. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo pour aller découvrir les défis que je lui ai lancés. Et continuez celle-ci pour voir ce qu'elle m'a fait faire. Créez vos histoires vous aussi dans les Sims et venez les partager comme Vanessa Huggins ou Bilal Hassani. Vous avez le lien dans la description pour aller visionner les différentes histoires de certaines célébrités. Pour commencer notre challenge, la première étape, c'est d'avoir notre famille dans les Sims. Pour vous faire participer, je me suis dit, pourquoi pas télécharger un foyer représentant ma famille, bien évidemment, à partir de la galerie. Deuxième étape, vous créez votre appartement. Et vous pouvez tout simplement jouer les voyeurs. J'ai eu de la chance, mon Sims s'est réveillé à 8h25. C'est pas trop tôt. C'est vrai que j'avais un petit peu peur qu'il se lève à 3h du matin. Je ne sais pas à quelle heure elle va se réveiller. En tout cas, j'espère pas très tôt, parce que je ne suis pas du tout du matin. Mais le petit problème, c'est que la veille, je m'étais couchée à 5h30 du matin. Ça a piqué, j'ai dû mettre 3000 réveils pour être sûre de me réveiller parce que j'avais trop peur. Donc au final, j'ai dû me réveiller à 7h du mat, mais j'étais là. À 8h31, on va aux toilettes. On y arrive à 8h34. On met beaucoup de temps pour faire quelques pas. On va prendre 8 minutes pour faire pipi. C'est bien, ce serait bien. Elle se lave les mains. J'ai mis 5 minutes encore une fois à faire quelques pas. Oh Newton. Oh non, il demande un câlin, mais trop bien! Mais oui, tous les matins, je fais un câlin à Newton. On fait un câlin à Newton à 8h52 dans la salle de bain. Attendez, ça va trop vite pour moi! 9h02, on descend pour aller se faire à manger. J'ai environ une heure pour préparer un gâteau. J'ai décidé de réaliser ce gâteau-là. Je le trouve, mais d'une beauté. On va voir si j'y arrive. Je suis pas une très grande cuisinière. Le temps de sortir tous les ingrédients, déjà, rien que ça, ça va me prendre 30 minutes. Je vais simplement faire un gâteau au yaourt. Chauffer le four. Yada. Par là-bas. J'ai l'impression d'être dans le meilleur pâtissier. Avec un chat à côté. C'est le handicap. Les Sims, quand ils cuisinent, ils mettent pas du tout le bordel. Alors que moi... Moi oui. Salut, ça va? Là je vais m'occuper du glaçage. Ce glaçage est bleu. Donc j'ai pris des colorants. Ça pue. Oh. Il sera pas parfait notre gâteau, mais il sera fait avec de l'amour. Beaucoup d'amour. Allez c'est l'heure, je vais récupérer le gâteau. Oh. J'ai l'idée de faire un mini gâteau. En fait, je vais
l'empiécer. Ça sent pas très bon. C'est trop bon. Les bords ne ressemblent pas du tout au gâteau dans les Sims. Attends, vas-y, je goûte. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte en fait de gâcher mon bon gâteau avec ça alors. Normalement, il y en a également en dessous du bleu. Mais bon, vous l'avez compris, je préfère m'abstenir. Voilà mon gâteau. Est-ce que vous trouvez que c'est ressemblant? L'idée est là, je trouve. Il est très bon. Il est très très bon. Une petite séance gaming à 10h48. Il est 10h40. À 10h48, je dois être sur le PC. Je vais me dépêcher de tout ranger. Eh bien, je vais regarder qui a gagné le dernier challenge que je vous avais lancé sur YouTube. Et comme ça, je vais pouvoir contacter le gagnant pour lui offrir un cadeau. Ah, c'est Esprit Tiki qui a gagné. Je vais l'ajouter sur Origin. Quoi? Non, on s'arrête à 11h05. C'est quoi ça? Vider la poubelle? Je me suis changée pour aller vider la poubelle. Je vais donc aller jeter les cartons ici, les meubles qu'on a montés hier. Voilà, dans cette tenue, j'ai pas de manteau, c'est un peu embêtant étant donné qu'il fait froid. À 11h26, elle parle à Newton. Tu sais quoi, Newton? J'ai trouvé que t'étais vraiment pas cool tout à l'heure. T'as pas arrêté de vouloir manger les œufs, le sucre, le yaourt. Au bout d'un moment, tu veux pas penser à autre chose qu'à la bouffe? Newton? Newton? Midi 10, télé. C'est parti pour Netflix. Oula. Pleure à midi 22. Ah, et elle parle toute seule? Ok. Oui, c'est un bon programme. Midi 42, se lève pour regarder la télé à côté du canapé. Je peux continuer de regarder Netflix, mais cette fois-ci, debout, pendant 50 minutes. À 13h41, elle se lave les mains. Je dois vous avouer un truc. J'ai triché. Je suis allée aux toilettes. Mais j'avais vraiment envie d'aller aux toilettes. Comment un sim se fait pour faire pipi simplement le matin et le soir? Et si t'as mangé un truc plutôt conséquent la veille? Comment tu fais? Quand est-ce que tu l'évacues? Oh mon dieu. À 13h56, je pourrai retourner sur le PC. C'est l'heure de la session PC. Je suis très contente parce que ça va me réveiller. D'être restée 40 minutes debout, ça m'a tuée. À 15h, on fait un petit câlin à Newton dans le bureau. Bisous, câlin. Ma journée typique, c'est ça, c'est ça. Par contre, il y a un truc qui n'est pas possible. C'est garder aussi longtemps Newton dans les bras. Je suis censée passer 40 minutes avec Newton, à lui faire des bisous, à le prendre dans mes bras. Sauf que c'est pas réellement le truc qu'il aime faire. Romy m'a lancé le défi d'apprendre un tour à Newton. Et je me suis dit que c'était certainement le meilleur moment. Assis. Assis. Oui, assis. C'est bien. Assis. Je suis habillée en noir, je me roule par terre, je joue avec un chat toute la journée. J'ai des poils sur tous mes vêtements là. J'ai pas le droit de te dire bonjour. Mais bonjour, t'as bien dormi? N'empêche, je commence à avoir super faim.
J'ai soif aussi, parce que mon Sims n'a pas bu de toute la journée. Et je sais que ce soir, je vais manger des petits pois. Vivement demain que je reprenne une vie normale. Est-ce que tu goûteras mon gâteau? Et c'est reparti sur le PC. Regardez sa position. Je vais faire un peu de montage, je vais m'avancer et puis je vais jouer pour me réveiller de nouveau parce que là j'ai de nouveau un coup de barre. Alors Newton n'est pas affalé par terre, mais il dort juste ici. Je crois que je l'ai fatigué là. Ça fait plus d'une heure que ma Sims est sur le PC. Et je me dis, on y a déjà passé pas mal de temps dans la journée. Je me disais, dirige-toi vers le chevalet. Les jeunes sont obnubilés par les écrans. Et c'est pareil dans les Sims. Donc je me dis que j'aimerais bien m'imposer une activité. Une activité que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est-à-dire de la peinture. Waouh ! J'ai une toile, j'ai de la peinture et je vais tenter de reproduire la peinture qu'a fait ma Sims dans les Sims. C'était un paysage mélancolique. Tes fesses, Newton, tes fesses, voilà. On les cache, les fesses. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait nuit blanche et d'avoir bu du Red Bull aujourd'hui pour être énergisée. Parce que là, je suis dans un état... Je ne veux pas dormir, je veux peindre. Donc j'ai la peinture sur mon téléphone, mais le problème c'est que je n'ai plus de batterie. J'ai vraiment envie de faire pipi. Cette vidéo me tue. Bonsoir, oui. À 19h31, je m'assois et Mika arrive avec un verre d'eau. Est-ce que ce verre d'eau m'est destiné? Salut. Salut, ça va? Ouais, toi, moi je bois un verre d'eau. J'aimerais bien avoir ton verre d'eau. Non. J'ai pas bu de la journée. Je m'en fiche. Je suis venu juste pour te parler, rien d'autre. Et il se casse avec son verre. À 20h07, Mika vient chanter dans le bureau et je suis enjôleuse. Il me fait de l'effet. On part discuter dans la chambre à 20h48. Donc t'es encore enjôleuse ou pas? Ouais, mais avant ça, j'ai envie d'aller faire pipi. Ok. À 21h03, c'est le pipi. Je vais me laver les mains. Je dois rester 10 minutes aux toilettes, mais ça me va. Enfin, je peux faire pipi. À 21h33, je fais un bisou sur la joue à Mika. Et on parle et on parle. J'ai soif. T'es pas censé boire, t'es censé me parler, ok? À 21h45, je me dirige vers la cuisine. Ok, des petits pois. Ça, j'ai. À 21h58, je m'installe avec mes petits pois et qu'est-ce qui se passe? Oh, on s'installe tous sur le canapé. Ça, c'est une bonne soirée. Oh, bah là, ça va. Zomo. Je commence vraiment à devenir un Sims. Je pète un câble. Je deviens une pile électrique à certains moments et à d'autres moments... Ah ! N'en profite pas !
Allez, peut-être dernière session PC, je sais pas combien de temps mon Sims va y rester. Ah, Newton arrive, donc ça va tout dérégler encore. Et oui, et il y a Mika aussi, enfin bref, tous les animaux de la famille, quoi. Non, pas ça, tout sauf ça. À 23h57, Mika nous refait un concert. Oh, elle va se coucher? Allez, ciao. Je suis très contente que ce challenge soit enfin terminé. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi étrange. Parfois c'était bien et parfois c'était l'horreur. Je vous conseille pas forcément de tenter l'expérience. Ah, et regardez, j'ai un souvenir. Est-ce que vous le trouvez ressemblant? Bon, il manque encore la pluie. Allez-y, vous pouvez m'attribuer une note sur 10 en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me noter pour le gâteau. Par contre, pour mes talents de graisseuse, on va passer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de checker les histoires des Sims dans la description. Vous pouvez également participer au concours sur Twitter. Et vous pouvez également vous amuser à créer des mèmes Sims. Je veux voir ce que vous êtes capable de faire. Je vous retrouve aussi sur Insta avec une petite photo moitié Sims, moitié... moi, bah je vous dis à tout de suite et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao !